vraiment pas de réussite. Bravo. Franchement, merci. J'espère qu'on va... qu'il y en aura d'autres. Inch'Allah. Inch'Allah. Nous avons vraiment adoré cette harmonie et nous souhaitons d'autres événements, Inch'Allah, avec beaucoup, beaucoup de succès. Et ça nous, nous qui sommes à l'extérieur du pays, ça nous renvoie quand même à notre pays et ça nous remplit de joie. Extraordinaire! Les chanteuses, les musiciens, tout le monde! Oui, vraiment, Masha'Allah, Bichallah, il vous fait différent, entraînant. J'ai beaucoup aimé. Ben, on a vraiment adoré le spectacle, c'était magnifique. Là, c'est la première fois que j'assiste. Plus jamais je ne raterai. Donc, c'est un honneur pour moi d'avoir assisté à cet événement musical hors du commun. J'apprécie beaucoup. Donc, bravo pour ces jeunes et on espère beaucoup de continuité, Inch'Allah. Je suis surpris par la formation de l'association musicale Mazranna. Fantastique soirée. Je remercie infiniment Sid Ali. Donc, il fait vraiment du bon travail. Alors, ces gens-là qui viennent, c'est des bénévoles et il faut les encourager. Et vraiment, c'était une très, très belle soirée. Je vous remercie. Alors, on a passé une belle soirée, une très belle ambiance. On s'est mis dans l'ambiance de l'Algérie. Vraiment fiers d'eux. On a passé une très, très belle soirée. Et j'espère que ça va se répéter. Moi, j'ai assisté depuis le début, alors... Alors progression, et puis c'est vraiment un plaisir d'assister. Je les encourage encore plus. Moi, c'était la première fois que j'assiste. Ça a été une bonne surprise, une bonne nouvelle, et je compte y revenir. C'était une soirée formidable. J'étais là la première. 5 ans après l'anniversaire, on est là encore. Alors, bien entendu, l'association grandit, puis a une relève, elle est bien encadrée. Puis on veut occuper un espace, on occupe déjà un espace dans l'espace culturel québécois. On veut l'intégrer encore plus, on veut faire des échanges avec d'autres cultures. Donc c'est une des missions. Elle est basée sur le partage, la bienveillance envers l'autre et la non-exclusion.